Ah, vous êtes là! Salut à vous! Salut, j'aime la nature. J'aime la nature, j'avais pas vu que vous étiez là. Mais pas de problème. Bah, tant que je vous tiens, chers camarades explorateurs, je pense qu'on va y aller. On va y aller ensemble. On va aller explorer tous ensemble. Notre petite mise à jour est Irma. Evrima, Togmar. Evrima, c'est beaucoup plus joli. Allez, venez avec moi. Pinaise. Ah non, c'est pas un problème pour moi de buter des raptors. Vous voyez, j'ai fait ça toute ma vie. Bref, on va sur les Evrima. Ok tout le monde, bon ben on se retrouve sur le jeu, enfin. Aïe aïe aïe, c'est pas facile hein. C'est pas facile. Donc, nous allons jouer. On va peut-être se mettre en mode... En mode gamers. Gamers. Les nouveautés des mises à jour qu'il y a eu depuis la dernière vidéo que j'ai fait. Donc du coup, c'est il y a un moment, clairement. Et bah, lançons le jeu, hein, s'il veut bien. Ah, bah, je vois, c'est dynamique. Hein. C'est dynamique. Là, il y a full monde. Hein. Oh oui, oh là 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 là. Ah ouais, les serveurs sont Blindax. Hein. Blindax de chez Blindax. Oh yes, c'est bien. C'est bien. C'est pas mal là. Bref, bon, je vais aller là. Je sais pas. Ok. Bon, j'ai passé mon clavier en QWERTY. Je crois que vous m'avez dit dans les commentaires Insert pour voir la Progressions. Alors qu'est-ce qui s'est passé de plus? Ok, on voit le poids, 103 kg, 0 de Newton, Bifus. La speed, ah ouais, je vais à 107 km/h, ça va vite. Il va vite, lutin Terminator. Et ok, donc on enlève ça. Et on va se balader, on va essayer de voir s'il y a des trucs nouveaux. Je ne sais pas, on peut sauter. Je sais pas, donc on va voir. Alors je vais peut-être dire beaucoup de bêtises, peut-être que je vais dire beaucoup de vérités, peut-être que je ne sais pas, mais l'objectif est de découvrir avec vous ce qui se passe, ce qui se trame sur ce jeu, les nouveautés ou pas. Donc bah écoutez, vous me direz dans les commentaires si j'ai raté des trucs, effectivement hein, c'est intéressant, et puis voilà, donc courons. Et puis voilà. Bah, en tout cas, il n'y a personne sur les serveurs. Ça montre peut-être que le jeu n'avance pas trop. Alors, il y a un petit cercle, j'ai vu. Là, là. Pour le... En bas à droite de l'écran. Il y a un petit cercle pour les cris. C'est quoi? C'est pour éviter de spammer? Je sais pas. Peut-être que je pourrais plus... Peut-être que je pourrais plus après. Bah je sais pas. Bon, le truc c'est que vraiment là quand même il y a personne sur les serveurs. Donc je me doute que il y a pas dû avoir des masses de d'updates. Donc j'en ai eu une quand je me suis connecté. Après je me suis pas connecté tout l'été. Donc c'est plutôt logique. Je sais pas de quand elle date. Mais bon, visiblement les joueurs ont un peu déserté Evrima. J'irai refaire un tour sur The Hell Vanilla, hein, la version classique que tout le monde a. J'irai refaire un tour et on verra aussi si les serveurs sont pleins, sont pas pleins, sont vides, sont pas vides, etc. etc. Mais là, en vrai, je vois pour le moment, je dis bien pour le moment, aucune modification du jeu, hein, clairement. Surtout qu'il n'y a personne, ça c'est vraiment dommage. On a encore accès qu'à deux dinos. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf pour l'instant. Faudrait que ça avance un peu plus vite, mon ami Dondi. S'il te plaît. Je vais aller à ce gros rocher là. Et j'ai envie d'avoir un point de vue. Histoire de voir la map. Après je sais qu'il y avait l'océan. Faudrait que je teste d'y aller. La dernière fois j'y suis allé, il y avait enfin la fin de la map quoi. Est-ce que la map s'est agrandie? Voilà. Après, c'est vrai que je suis un peu pressé, quoi, de voir les découvertes qu'on peut faire dans ce jeu.
Mais s'il faut y jouer, genre, 4 heures pour voir une micro-mise à jour, bon, il est vrai que il y a moyen qu'on ne découvre pas tout. Hein. Ah bon, ben, écoutez, je glisse. Ouais, je glisse, je ne peux pas monter. Ok, on va monter par là. Vas-y, frérot, fais un effort. Fais un effort, petit tuta. Tu es un dinosaure agile. Voilà, très bien. Et cool, Terminator. Vas-y, bon, déjà, ça, c'est relou. Hein. Pas monter la montagne comme on veut. Ça, on connaît, hein. On connaît les... Ça, hein. Ok. Bon, franchement, les bros... Ah, on a un petit point de vue, là. Oh, putain. Ah, je suis loin. Ah, je suis loin de la mer, hein. Alors, on va se coucher. Coucher, c'est H. La mémoire, hein. H. Old H to sleep. Wow. Un petit safe logout. Ah, c'est pour logout. Ah, ça, c'est stylé. Ça, j'aime bien. Joli. Joli, bonne idée. Bonne idée, le dondi. On va attendre un peu. On va voir ce que ça donne. Ok, bon, bah, ça fait ça à la fin. Ah, ouais, mais ça finit. Après, on déco. Ah, non, mais je voulais pas déco, moi. Bon, ok, d'accord. On y retourne. My bad, my bad. Bon, ok, on est de nouveau dans le jeu. Très bien. Bon, on va aller direction... Oula, oula, oula. Bon, il n'y a pas de dégâts dessus, je crois. Direction la mer. On va essayer de voir. Donc, c'est... sud, nord... Bah, sud, quoi, simplement. Allez, on y go. Bon, en tout cas, les graphismes et les effets sonores sont juste... juste incroyable. Après, ouais, voilà. Moi, je pense que ça serait bien quand même que ça évolue un peu plus vite, quoi. Tout simplement. Parce que c'est vrai que là, ben, on le voit. Moi, là, j'ai pas vu... Franchement, ça fait quoi? Ça fait, allez, 10 minutes que je joue, à peu près, à ce moment-là de la vidéo. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, parce qu'il n'y a juste personne sur les serveurs. Moi, je teste un peu, hein. Je suis là avec vous, je découvre et tout. Mais bon, on ne sait jamais. Il peut y avoir de la nouveauté. Il y a eu quelques trucs, il y a des petites bulles qui apparaissent, là. Non, je sais pas, c'est peut-être l'apnée, du coup, j'imagine. On va aller tester ça. Il y a de l'eau. Vas-y, on va aller dans l'eau. On va aller dans l'eau qui est par ici, normalement. Wouhou. Bon, on nage. Mais, putain, sérieux, quoi. Franchement, c'est giga décevant, quoi. Bah, c'est la galère, hein. C'est la galère pour nager. On voit que là, bon, ben... Voilà, hein. Travail d'orfèvre. Qui est fait par les graphistes, modélisateurs. Incroyable. Il y a un truc là-bas, c'est quoi ça? C'est une branche, un dino. En tout cas, ouais, les Succomimus. Non, pas Succomimus, je suis bête. Pas Sarcosuchus. Enfin, les crocos, quoi. Les crocos, ils vont se régaler, hein, s'ils nagent vite. Ah, c'est un tronc d'arbre, ok. S'ils nagent vite, ouais, ils vont se régaler. Parce que vraiment, là, l'Uta, il nage à 2 à l'heure. Et il n'y a plus l'impulsion qu'il y avait quand... dans The Wild, du coup, quand on saute, touc, on nage vite avec l'Uta, ça c'était un petit tips and tricks qui était intéressant. Bon, il est plus, c'est pas grave. Hein. Mais en soi, ouais, bon, ok, on peut nager déjà. Vous m'aviez dit en commentaire que c'était un bug à ce moment-là du serveur. Bon, ça peut arriver. Après, bon, l'eau n'est pas modélisée, du coup, si on a un dinosaure aquatique, c'est pas terrible de nager dans de l'eau qui n'est pas modélisée. Faudrait que ça arrive, ça aussi, quand même. Bon, en vrai, ouais, je suis un peu critique, voyez-vous, mais... Enfin, c'est quand même bien d'être exigeant, hein. Après, c'est très joli. Ça, c'est indéniable, vraiment, en comparaison à The Isle. Vanilla, c'est très, très joli, vraiment. Et ça, on apprécie. Hein. Bon, par contre, vraiment, le raptor dans l'eau, il est vraiment pas à l'aise. Hein. C'est une pierre. C'est un caillou. Voilà, bon. On va se foutre ici. On va reprendre la stam. Elle peut pas se poser dans l'eau? Ok. D'accord, ok, bon, on va se poser là, alors. Bon, du coup, alors, petit bilan. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de changements, comme ça, à première vue. Après, bah, les qualités sont toujours là, le jeu est très beau, l'ambiance sonore est incroyable. Les dinos, bah, il n'y a aucun autre jeu où les dinos sont modélisés de cette façon. Enfin, ils sont juste magnifiques. Après, le problème, c'est qu'il n'y en a que deux, toujours, pour l'instant. Donc ça serait bien que ça avance. Il y a quelques micro-ajouts, visiblement, à droite, à gauche.
Alors, je sais pas, on va essayer de continuer à visiter. Est-ce que j'ai grandi? Ouais, je fais 187 kilos, j'ai un peu grossi. Bite force, je suis toujours une mouche, hein, clairement. Voilà, bon, pour l'instant, voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Voilà. Il n'y a personne sur les serveurs. Bon, voilà, ça c'est pas terrible. Mais en même temps, c'est normal, hein. Genre, ce que je dis, les critiques que je dis, en fait, les gens le pensent. Parce que s'ils ne le pensaient pas, ils seraient sur les serveurs, tout simplement. C'est ça. Donc du coup, ouais, exigeant, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. On nous promet des mises à jour, on a envie qu'elles soient faites. Je pense que c'est logique. Et ça serait bien que ça avance un peu plus vite, quoi. Mais bon. Bon, après, c'est l'éternel débat. Ouais, mais après, j'ai un peu lu vite fait les patch notes, vite fait. Après, c'est quand même des gigas pavés en anglais. Bon, je me suis dit... Oh, Sabrina! Sabrina! Yo, Sabrina! C'est toi, Sabrina? Coucou! Salut, Sabrina. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des mises à jour ou pas? Est-ce qu'il y a eu des changements? Ben, je me passe avec toi, Sabrina. Je suis gentil, t'inquiète. Tranquille. Alors, est-ce qu'il y a eu des trucs nouveaux, Sabrina? Dis-le. Ouais, bah ben ouais. Par contre, c'est vrai que ouais, les mouvements du. Enfin, la modélisation des dinosaures est folle. Oh, oh, tu veux quoi là? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tranquille, hein. T'as pas un truc à bouffer là? Je commence à avoir un peu faim. Bon, Sabrina, amène-moi un endroit. Tu connais ou tu connais pas le jeu? Je sais pas, moi, dis-moi. Hop, 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 tu me fais quoi là? Et tu me fais quoi? Eh, hey, tu joues à ça, je te graille, je te le dis. Ouais. Je vais la grailler. Merde, je suis dans l'eau. Je suis mort! Vas-y, Sabrina. Sérieux, quoi. La mère. La mère de toutes les patries. La Russie. Non. La mère est devant nous. Bon, on va aller à la mer et je pense que. Ben, je pense qu'on va stopper la vidéo parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose à montrer. Voilà, c'était juste pour faire un petit retour sur Evrima. D'ailleurs, Evirma, je trouve ça plus joli, mais bon, après, c'est chacun son truc. Pour les dyslexiques. Un peu comme moi, je préfère Evirma. Voilà. Mais ouais, du coup, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ou alors, peut-être qu'il faut jouer 4 heures pour voir une micro-nouveauté. Bon, bah écoutez, ça sera pas mon cas. Parce que bah, c'est un peu l'ennui. En vrai, là, c'est un peu l'ennui. Bah, yo! Faut pas crier coucher non plus. Venom! Au pied! Ah! Ah ben voilà! Bon allez, vas-y, amène-moi chez les potes. Vas-y, amène-moi chez les potes. Vas-y, je te suis, Venom. Ouais, tu m'as perdu. Ah, ok, mais doucement un peu, non? Ah! Ah! Oui! Bah oui, Rose. Oh, ah bah ça. Ah bah ouais, c'est pas mal. Ah les bons vieux bugs de collision avec les arbres, on est kéblo et on peut plus bouger, on se fait tuer. Alors ça c'est bien de voir que ça a été corrigé. La Venom, j'ai été coincé dans un arbre. Tu pouvais m'attendre, ce serait intéressant. Voilà.
Venom. Ah bah t'es là. Ah bah ouais mais... Je sais pas moi, attends j'ai soif. Eh tu vas m'attendre. Oh, il est mignon Venom. Ah mais je suis déjà passé par là, je me rappelle. Yo. C'est toi Venom? Je sais pas comment on fait ça frérot. Là c'est là. C'est pareil que toi. Oh mais je suis plein de boue. Bah mais si tu fais ça et que tu gueules après, ça n'a aucun sens non? Ok du coup on voit qu'on est plein de boue, c'est pas mal, c'est ça c'est bien fait ça. On va où frère? Et j'ai faim. Ah oh bah ouais bah là. Yes. Ouais je lui réponds. Il est passé où le bougre? Ah il est là-bas. Et ouais mais aussi Venom, tu fais quoi là? Venom, Venom, t'es un petit sacripant. Venom, je t'ai perdu, Venom. Et ouais mais gros, tu vas trop vite. Hop là. Vas-y tu fais le saut de l'ange avec moi. À ton tour. Venom. Allez saute. Bon t'as même pas vu, t'étais en contre-jour. Je suis Keblo. Mais j'ai fait un copain. Oh Venom tu fais quoi là? Hein? Tu vas où? Oh yeah. Yeah Jack Gamers. Jack Gamers! Vas-y, vas-y, cours, Venom! Cours! Cours comme le vent! Ouais, bah vas-y, mais pas trop non plus. Je t'ai dit le vent, pas une tornade. Hus! Hus! Jack Gamers! Il est par là-bas, on dirait, non? Oh, Sabrina! Sabrina, le comeback! Le comeback, Sabrina, viens là! Allez Sabrina, je te fume. Mais j'espère qu'elle est bébé, je la crève. Je la crois, je la crève. Cash. Jack Gamer? Elle est en train de fermer le gang de Raptors. Yo. Yo 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 yo. Yo. J'arrive du monde. J'ai envie de voir des herbies en fait. J'ai envie d'essayer de chasser, de faire des trucs. Mais il n'y a pas assez de players. Par contre, du coup, le principe, je trouve que c'est pas terrible de crier et de voir les pseudos des joueurs. Je trouve que c'est pas terrible parce que bah là, par exemple, moi, je crie jamais. Je sais exactement où ils sont et je peux les attaquer. Je peux faire des attaques éclairs, des embuscades, etc., etc. Je trouve pas que ce soit ouf comme idée. Après, là, pour l'instant, bah, c'est sympa parce que... Il n'y a personne sur le serveur, il n'y a pas trop de dinos, pas trop le wire quoi, sur le serveur. Mais à l'avenir, quand tu auras 100 personnes et que si ça fait ça encore, je sais pas si c'est une bonne idée quoi. De se repérer en groupe, ça peut être bien. Mais ouais, que ce soit que dans le même groupe quoi. Parce que là, on n'est pas du tout dans le même groupe. Alors peut-être que c'est parce qu'on est la même espèce aussi, je sais pas. Mais ouais je sais pas à voir hein. Parce qu'en vrai moi avec mon esprit tordu je vais faire des trucs tordus avec cette petite feature. Ah ils sont là. Le gang Raptors. Yes. Il fout quoi l'autre partie? Ah yes. Agraillé. Faut pas manger. Merci. Yes Je les saoule. What? Il y a plein, c'est tout bouffé quoi. De gros sacs. Bon bref, bah du coup sur ce, avec ce petit gang de raptors, on va s'arrêter là. Je trouve que bah, comme la dernière fois, le jeu est très beau. Après voilà, c'est dommage que ça avance pas plus vite, qu'il n'y ait pas grand chose à faire. Voilà, il n'y a personne sur les serveurs, c'est pas un mystère. Du coup, dites-moi vous si vous y jouez, ou si vous préférez jouer à The Ice Vanilla. Chose qu'on va faire très bientôt.
On va reprendre un petit peu les vidéos The Ice Vanilla parce que c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde.